Shalom, shalom, mes bien-aimés, shalom, shalom, soyez bénis. Que l'amour de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Je viens vous dire mon message que j'ai à dire. Vous savez, mes frères et sœurs, le mois de décembre, c'est une année où le diable a besoin de beaucoup de sang. C'est un mois que le diable a besoin de beaucoup de sang. Décembre est un mois où le diable a besoin de beaucoup de sang. Donc, le mois de décembre, c'est un mois à laquelle les sacrificateurs d'organes se promènent pour kidnapper des enfants dans la rue. Mois de décembre, c'est un mois à laquelle les sacrificateurs se promènent pour kidnapper même les adultes, même les femmes enceintes. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, faites très attention. Parce que le diable, là, le mois de décembre, c'est un mois, octobre, novembre, décembre, janvier. C'est les 4 mois là que le diable a besoin de beaucoup de sang. Le diable a besoin de beaucoup de sang. Donc vous qui sortez dehors, mes frères et sœurs, le mois de décembre, c'est une année où le diable a besoin de beaucoup d'âmes. Où le diable a besoin de beaucoup de sang pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir avoir de la gloire, pour pouvoir avoir... la chance pour pouvoir avoir de la célébrité. Donc, ce que je voulais vous dire, mes bien-aimés, c'est pour vous dire de faire très très attention. Décembre est un mois très dangereux où les gens se promènent, les sacrificateurs d'organes se promènent pour chercher beaucoup d'organes, se promènent pour kidnapper même des enfants. Vous qui avez des enfants partout dans le monde entier, faites attention à vos enfants. Faites attention à vous-même. Quand vous sortez avec vos enfants dans la rue, ne laissez pas vos enfants dans la rue. Seuls, ne laissez pas vos enfants dans la rue. Et ne vous promenez pas seul dans la rue tard. Parce que décembre est un mois très dangereux. Décembre est un mois où le diable a besoin de beaucoup de sang. Décembre est un mois où le diable a besoin de beaucoup de gloire. Parce que pourquoi l'être humain est devenu maintenant le mouton? L'être humain a remplacé le mouton. Maintenant, les gens, les sacrificateurs d'organes ne se promènent plus pour égorger des moutons. L'être humain a remplacé des moutons. L'être humain a remplacé des moutons. Donc faites attention à vous. Faites attention à vos âmes. Quand vous sortez dans la rue tard, soyez accompagnés des gens. Soyez accompagnés des personnes que vous connaissez. Et soyez accompagnés toujours des gens que vous connaissez. Parce que le mois de décembre, c'est un mois où le diable vraiment balance sa queue, cherche des âmes, cherche beaucoup de sang. Donc, vous qui avez des enfants, pardonnez, attrapez vos enfants, faites attention. Parce que chaque minute, chaque heure, les gens kidnappent des enfants dans la rue. Les gens kidnappent même des adultes dans la rue pour pouvoir égorger, pour pouvoir faire leur rituel. Parce que ces personnes-là, ils travaillent avec le diable. Comme je vous dis, mes bien-aimés, le diable a besoin de beaucoup de sang. Mois de décembre, c'est un mois à laquelle il y a beaucoup de périodes de cesse. C'est un mois à laquelle où il y a beaucoup de fêtes. Donc, vous qui partez chez des amis, vous qui partez dans les restaurants, vous qui partez, allez manger je ne sais où. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention là où vous mettez vos pieds. Parce que décembre, c'est un mois à laquelle on invite beaucoup de gens. Décembre, c'est un mois à laquelle les sacrificateurs se promènent pour empoisonner les gens. Les gens maintenant là, ce n'est plus un truc spirituel. Maintenant, le diable, maintenant, c'est le corps encore. Maintenant, le diable a dépassé. Le diable est parti à une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? Ça veut dire l'empoisonnement. Ça veut dire le diable est parti à une étape supérieure. Ça veut dire l'empoisonnement. Donc, faites attention à vous, à ce que vous mangez. Faites attention là où vous mettez vos pieds. Avant de manger quelque part, priez d'abord avant de manger sur cette chose. Si vous n'avez pas confiance à une personne qui vous invite chez elle ou je ne sais où, vous n'avez pas confiance. Quand vous partez dans un restaurant, ne laissez pas vos boissons. Décembre, c'est un mois à laquelle on invite beaucoup de personnes.
Je vous en prie, mes bien-aimés, faites attention. Même quand vous vous retrouvez dans un restaurant avec des amis, quand vous vous levez, vous avez votre boisson, votre jus d'orange. Prenez votre jus d'orange, vous vous levez, vous partez ça aux toilettes. Parce que celui que tu dis ami, celui que tu dis parent, celui que tu dis non, c'est mon meilleur ami. La vie là, il n'y a pas de meilleur ami. Parce que le diable là, il passe partout pour pouvoir atteindre une personne. Le diable même peut passer par ton meilleur ami. Le diable même peut passer par ton parent pour pouvoir t'empoisonner. Donc quand vous partez dans les lieux publics pour aller manger des amis, quand vous laissez une boisson, ne laissez pas une boisson et vous allez aller aux toilettes. Si vous laissez la boisson, si vous partez aux toilettes, ne venez pas pour reboire cette boisson-là encore. Parce que l'empoisonnement a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, les gens maintenant, c'est empoisonnement. Comme les gens n'arrivent plus à tuer les gens spirituellement, maintenant c'est les empoisonnements maintenant. L'empoisonnement, soit ils empoisonnent la boisson, soit ils empoisonnent la nourriture, soit et l'empoisonnement peut passer par des salutations aussi. L'empoisonnement peut être aussi, on te touche. Donc je vous en prie mes bien-aimés, avant de sortir de chez vous, priez vraiment et soyez vigilants. Donnez votre vie à Dieu. Priez avant de manger quelque chose. Priez avant d'aller où que vous partez. Priez avant d'aller dans les lieux publics. Et ne mangez pas n'importe quoi. Ne mangez pas des trucs que voilà, vous allez vous lever pour manger. Je vous en prie. Donc là, je vous en prie, mes bien-aimés. Je vous en prie. Ne vous levez pas pour aller manger du désordre au dehors. Mois de décembre, c'est un mois à laquelle... où le diable, je vous répète encore, où le diable a besoin de beaucoup de sang. Où le diable envoie ses enfants pour venir égorger des enfants dans la rue. Où le diable envoie ses enfants pour venir kidnapper des enfants dans la rue. Donc vous qui avez des enfants partout dans le monde entier, faites attention à vos enfants. Quand vous avez vos enfants, attrapez la main de vos enfants. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Même la voisine, vous allez la confier, vous ne savez pas qui elle est. Je vous dis, le diable, il travaille partout. Le diable même peut travailler même avec la voisine. Le diable même peut travailler même avec un proche à toi. Donc ne faites confiance en personne. Faites confiance qu'à vous-même. Attrapez la main de vos enfants. Et en tant que des adultes, quand vous sortez dans la rue, sortez toujours en groupe. Ne sortez pas tout seul. Parce que décembre, c'est un mois à laquelle où le diable, où les sacrificateurs se promènent, où ils sont là en train de se tortiller pour chercher des sangs humains, pour pouvoir tuer des gens, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir avoir la gloire. Parce que le diable, lui, il cherche à avoir la gloire. Le diable, lui, il cherche à s'enrichir. Le diable, lui, il cherche à aller plus haut. Plus haut, aller au sommet, plus haut. C'est comme ça le diable. Le diable, il envoie ses enfants pour pouvoir aller tuer des gens. Parce que pourquoi? Le diable, pour que tu puisses évoluer, le diable, il te demande le sang. Le sang, c'est quoi? Le diable ne demande plus le sang de mouton. Le diable, maintenant, il demande le sang humain. Donc, je vous en prie, mes frères et sœurs, faites attention à vous. Et faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à votre entourage. Faites attention à vos proches. Si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, n'allez pas manger chez lui. Si vous n'avez pas confiance à un ami qui vous invite, que vous avez des doutes, n'allez pas manger. Restez chez vous. C'est la période de fête. Restez chez vous et vous fêtez avec vos enfants, vos maris ou bien votre femme. Vous fêtez avec eux tranquillement. Décembre, c'est un mois à laquelle où il y a beaucoup d'atrocités. Décembre, c'est un mois à laquelle où il y a beaucoup de tueries. Décembre, c'est un mois à laquelle où le diable a besoin de beaucoup de sang. Donc, je vous en prie, mes bien-aimés, faites attention à vous. Faites attention à vos enfants surtout. Attrapez la main de vos enfants. Faites attention à vos enfants, qu'ils soient adultes, qu'ils soient bébés. Faites attention à vos enfants. Surveillez vos enfants parce que le diable se balade. Le diable a ses yeux partout. Le diable a ses radars partout. Le diable a ses espions partout. Donc faites attention à partout où vous allez. Faites attention à vous. Faites attention à vos âmes surtout. Faites attention à vos âmes.
Donc, mois de décembre, je vous dis, faites attention à vous et protégez la vie de vos enfants. Parce que décembre, c'est un mois à laquelle où les gens, je vous dis bien, octobre, novembre, décembre, janvier, c'est les quatre mois à laquelle où le diable cherche beaucoup de sang. Donc, faites attention à vous, mes bien-aimés. Et partagez cette vidéo, partagez à vos proches. Et vos proches, ils vont entendre cette vidéo et faites attention à vous. Si vous partagez, ça peut sauver la vie de vos proches. Ça peut sauver la vie de votre enfant en partageant cette vidéo. Voilà, parce que décembre, c'est un mois à laquelle le diable balance sa queue. Donc, faites attention. Tenez bien la main de vos enfants. Faites attention à vous. Et quand vous sortez dans la rue, surtout, ne sortez pas la nuit tard. Dans la nuit, ne sortez pas tard, tout seul au milieu de la nuit. Ne sortez pas tard, parce que décembre, c'est un mois à laquelle où le diable se promène pour chercher beaucoup de sang, pour chercher beaucoup de sang pour pouvoir faire ses rituels. Donc, faites attention. Le diable, maintenant, il n'a plus besoin de bœufs, de moutons. Maintenant, le diable a besoin du sang humain. Donc, faites attention à vous, parce que le diable, il a ses radars, il a ses sacrificateurs qui se promènent. Quand vous laissez vos enfants là, ne pensez pas que le voisin, il est là, et vous avez confiance au voisin, ou bien vous avez confiance à une voisine. Non, parce que le diable, je vous dis, il passe partout pour pouvoir t'atteindre. Le diable, pour t'anéantir, il peut en un seul clin d'œil, il peut envoyer quelqu'un que tu aimes, que tu as confiance en. Que tu as le plus confiance, le diable peut envoyer cette personne pour pouvoir t'atteindre. Donc, faites attention à vos âmes, mes bien-aimés. En tout cas, soyez bénis. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit dans votre maison. Que l'amour du Christ soit sur vos enfants. Que la protection divine soit dans votre maison. Que la protection divine soit dans toutes vos activités. Que la main de Dieu multiplie tout ce que vous faites. Que la main de Dieu multiplie vos affaires. Que la main de Dieu multiplie votre argent encore et encore. Que la main de Dieu soit sur vos enfants, soit sur votre famille. Que l'amour du Christ soit avec vous. Soyez bénis, mes bien-aimés. Shalom, shalom.